Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call. And I'll be all. Voici le gros bobo de l'USCA. On a eu beaucoup de feedback sur les réseaux sociaux, les méthodes de la réparation. C'est sûr que les photos que j'avais mis, puis j'avais la vidéo, j'avais pas encore enlevé la couche du dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut voir en tour, s'il y avait de quoi de caché, que c'était plus grand. Et une place qui avait une bulle que je poussais dessus puis que ça levait, c'était vraiment plus la surface extérieure, que le fairing compound qui était pas bien adhéré. Il y a déjà eu des réparations dessus, comme la plupart des safrans. Sur le Beneteau, justement, ces années-là, il y a de l'eau qui va dedans, l'eau qui rentre dedans. J'ai parsi des trous en tour, laissé sécher comme il faut. Ça doit faire une semaine et deux semaines que les trous sont là, puis qu'ils sèchent. Je vais vous montrer les problèmes que j'ai vus, puis parler un peu de la réparation que je vais y effectuer. Ça va être bon, autant que ça va être bon, que je vais prendre minutieusement le temps de le faire. C'est sûr que certaines personnes diraient, oh, on va le refaire au complet, on en mettre un neuf. Pour l'instant, c'est pas une option. Le rebâtir comme il faut, je suis sûr qu'il va faire des belles années encore. On n'aura aucun problème avec. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de délimination, il n'y a pas de lousse, il n'est pas en train de se tordre. Fait que c'est pour ça, en étant de cette façon-là, que je suis confiant qu'il va te faire encore longtemps. Je pense que c'est à cet endroit-là que je pèsais dessus, que ça a quand même enlevé. Regardez, je l'ai enlevé, il n'y a rien de spécial. Ici, il y avait comme une petite craque que je voyais. Je l'ai enlevé, absolument rien. Ici, voyez-vous, il a déjà été réparé. Il y a du filler, il y a du dessus. Il a déjà été réparé. Probablement pour essayer de réparer la craque. Qui avait une craque, il a probablement été réparé. Ça, je suis sûr que je vais le refaire par-dessus. Il y a aussi en bas, là. En bas, là, j'ai percé des trous pour voir s'il y avait de l'eau qui s'écoulait. Il y a un peu d'eau qui est sortie. Là, je l'ai juste lavé à l'eau tantôt. Il y a une craque ici que je vais réparer. Ça, là, je vais grinder un bon vide dedans. Je vais remplir ça d'époxy, puis après ça, je vais remettre un tissu, probablement un 10 par-dessus, un 10-11 par-dessus pour le réparer, ce côté-là. Ici, la même affaire, je vais grinder, je vais refaire par-dessus la réparation. Ici, je n'enlève plus rien pour aller voir, puis rien d'autre de spécial. L'autre côté, c'est là qui est pire. Ça, c'était un spot que j'ai grindé qui avait d'osmose. Moi, j'ai pris du solide, du beau, il est correct. Voici les cracks. Ici, là, c'est moi qui ai tiré des trous, là. C'est là qu'il y a le plus de cracks, ce côté-là. Encore une fois, je vais aller grinder. Je vais mettre un tissu de fibre. Puis je vais venir rattacher les coins-là aussi. Puis je vais rattacher le devant avec le derrière ici tout le long. C'est pour ça que je l'ai grindé tout le long. Le pourquoi que j'ai grindé jusqu'en haut aussi, ben, c'est pour aussi aller voir s'il n'y avait pas d'autre chose. Mais c'est pour aussi que je vais faire du tabbing. Je vais aller rattacher avec une feuille de fibre de verre la devanture. Vous pouvez être sûr que tout est correct. Parce que j'ai des cracks qui vont sur le côté. Mais ils arrêtent là. Puis il y a des cracks qui repartent l'autre côté. Donc en venant joindre le devant, ben, je m'assure tout de la solidité de la structure de mon safran. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure.
ceux qui se demandent, savoir comment je vais garder ma forme, ben ici, j'avais gardé l'épaisseur d'origine et la forme d'origine. Si vous regardez, là, j'avais fait une ici. Je le vois au travers de ma réparation, comment profond que j'ai été. Voyez-vous ici, là, je suis encore égal. Ça veut dire que je suis plus épais ou la même épaisseur que j'étais d'origine. Et moi, il faut que je le descende plus bas que ça, parce que je vais venir rattacher un morceau de fibre de verre ici. Fait qu'au moins, je peux juste grinder ça ou sabler ça tranquillement, jusqu'à temps que je voie apparaître la partie d'origine. Fait que là, ça me donne un gabarit de quelle hauteur ou de quelle profondeur qui était avant. Fait qu'avec ça, je vais pouvoir gauger pour le restant de, comme je dis, peut-être un... Je pense que c'est peut-être un 16, presque un 8 plus bas que là, pour le rebâtir ici. Comme cela, le renforcement que j'ai fait, il est en arrière de ça, parce que j'avais groové, puis je l'ai rempli avec un époxy renforceur. Puis là, j'ai mis la même époxy, mais sans petit matériel de fil de verre dedans, juste pour le rebâtir. Puis j'en ai mis en masse pour pouvoir me rebâtir mon coin comme que je veux. Là, je vais m'attaquer à cette réparation ici. Je me suis pris un petit gabarit, de quoi de drette, un straight edge. Puis je peux voir comment épais de matériel que je peux installer. Si je regarde ici, je sais pas si on le voit. Ouais, on voit le jour. C'est la question pourquoi j'ai gardé ces deux niveaux-là de finition d'origine. Avec ça, je peux voir combien de matériel que je peux mettre. C'est-tu overkill? Peut-être que oui. Mais ça va être solide. Je me vois pas là, mais si mes cheveux sont bizarres là, aujourd'hui, là, c'est à cause qu'un matin je me suis battu avec eux autres. Puis je les ai laissés gagner. On s'en fout, c'est la vie de bateau. J'ai fini de sabler. Ça a fait un bel job. Je pense que le 6-11, le 10-11, ça en a même une petite affaire de trop d'épaisseur. Je pense que 2-6, ça aurait été correct, juste pour cette petite réparation-là, vu que c'était pas assez profond. Ça me fait plus de sablage, mais c'est pas bien grave, là, rendu là. 15-20 minutes de plus de sablage, pas bien plus grave. Là, on va nettoyer ça, on va voir s'il n'y a pas d'autres imperfections. Puis ça, c'est correct, le sablage est fini, puis on va pouvoir s'attaquer à une autre section pour la réparation. Hier, juste avant de tout finir et de remoncer mes choses, je me suis mixé un autre époxy parce qu'il y avait deux trous en dessous, ici, que j'ai patché. Puis je n'ai fait un troisième en avant pour être sûr que toute l'eau puisse bien s'écouter. Les trous ici d'en avant sont déjà là. Il y avait déjà des plugs dedans, je les avais enlevés, c'était tout pétassé.
j'ai rebâti les trous, j'ai patché. Là, ce que je vais faire avant de réparer cette section-là, ici, je vais injecter de l'époxy liquide dedans pour pouvoir descendre dans le fond du safran ici pour bien sceller les trous qui sont là pour le renforcer le bas. Fait qu'avec l'injection avec les seringues, ça va faire un bon fond solide. Puis bien sceller le dessous. Puis après ça, ben, je vais faire une couche de finition en dessous pour l'égaliser. Mais c'est ça, la prochaine étape, avant de réparer, ça va être c'est réparer cette petite groove-là que j'ai fait. Ça, je suis en train de faire mon gabarit. Je ne filmerai pas le restant du processus. Puis ça, c'est la même chose que faire cette section-là en haut. La différence, c'est qu'ici, je vais faire une section juste de 6 onces qui va couvrir mes trous ici. Puis après ça, je vais faire une section d'un 10 qui va aller rattacher d'un côté puis de l'autre pour aller refermer mon dessous ici puis le renforcer. J'ai réalisé que je peux prendre la seringue vu que c'est de l'époxy qui est liquide. Je suis pas obligé de le déverser dans la seringue. Je peux juste siphonner la seringue. Quand c'est de l'époxy qui est épaissi, tu es obligé de le remplir par là, mais pas avec l'époxy qui est liquide. En fait, j'en ai injecté un autre seringue. Juste pour la sécurité d'esprit. On a new adventure. Comme je dis, j'ai été rattaché ce morceau-là. Et j'ai aussi pris le risque, puis j'ai rattaché un morceau en arrière ici qui venait serrer les, qui venait pogner les deux. C'est très difficile parce que le papier de tube de verre, il n'aime pas tourner avec un angle carré. Il est mieux avoir un rond. Mais c'est pas bien grave dans cette situation-là. Là. C'est juste pour former un peu le bout. C'est pas structurel. C'est juste s'assurer qu'il n'y a pas de bulle puisque ça peut créer de l'air, des espaces, mais. J'ai mis du remplissage en plus, je l'ai tapé comme faut, jusqu'à temps que quasiment que ça s'est vraiment gommé, séché. Puis j'ai rebâti aussi toute la forme en dessous. Donc, il va me rester juste à laisser sécher, puis faire un petit peu de sablage. Après ça, on pourra s'attaquer à l'autre côté en haut. Le bas ici est fini des deux côtés. C'est merveilleux, ça avance bien. Voici les points de rattachement que j'ai fait ici. J'ai mis deux épaisseurs pour venir rattacher sur ce côté-là. On voit un petit peu la démarcation de la ligne. Ici, ça fait qu'il est un petit peu plus épais. C'est pas bien grave. Ici, on va aller le ramener égal avec la finition d'origine, qui est encore un petit peu plus bas. Fait que ça me permet de mettre le bandeau marin par-dessus, juste pour cacher et faire une belle finition. Après ça, ben, ça va être juste de mettre l'interpothèque. Puis juste avant que je vais mettre le bateau à l'eau, après ça, je vais faire l'anti-fouling dessus. Pour l'instant, on va le laisser sécher. Je viens de le nettoyer. Puis après ça, je vais le nettoyer encore à l'acétone pour bien le sécher. Puis je vais pouvoir commencer à mettre mon fairing compound. Ouais, il va être tout beau, tout solide. Adventure.